Ma formation, c'est la sociologie des sciences. C'est-à-dire que, pour faire vite, au lieu d'aller étudier les aborigènes en Australie ou les Jivaro en Amérique du Sud, on s'intéresse aux scientifiques. Et on essaie de comprendre comment ils construisent les faits, comment les controverses se déroulent. Et si je me suis intéressé à la sociologie des sciences, quand j'ai commencé à faire mes études, c'était un domaine qui n'existait quasiment pas en France. Sinon, il y avait une petite niche de chercheurs qui se trouvaient à l'École des Mines à Paris. Et je suis allé les trouver, notamment un qui s'appelle Bruno Latour, parce qu'en fait, j'avais un objet un peu curieux qui m'intéressait et que je voulais leur soumettre, les histoires de soucoupes volantes, d'OVNI, qui m'intéressaient depuis déjà un bon moment. Et je me disais, peut-être que la sociologie peut faire quelque chose. Alors au départ, évidemment, j'étais parti de la même idée que tout le monde, quand on aborde ce sujet-là, c'était essayer de comprendre pourquoi des gens croient des choses, entre parenthèses, qui n'existent pas. Mais en lisant justement les publications, alors certaines publications en anthropologie déjà, des auteurs qui avaient travaillé sur la sorcellerie dans les campagnes, comme Jeanne Favresada, bien sûr, un historien des religions italien qui s'appelle Ernesto De Martino, qui s'intéressait à la question de la magie. Je m'étais rendu compte que le débat c'était énormément nuancé. On n'était plus sur des positions, pourquoi des paysans crédules croient à des trucs absurdes, mais ça s'était un peu arrangé, la situation. Mais ce qui me semblait intéressant chez les sociologues des sciences, c'est que leur entrée était complètement différente. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressaient pas à la croyance, a priori, même pour relativiser la notion, ils s'intéressaient aux faits scientifiques, c'est-à-dire des trucs durs, qui existent. Et donc, je me disais, l'épreuve intéressante pour ce genre d'objet, c'est pas de les aborder sous l'angle de la croyance, même si on essaie de la modifier un peu, parce que du coup on resterait dans la catégorie de la croyance, mais c'était de les aborder, un peu comme une partie des acteurs de ces débats veulent le faire, comme des débats scientifiques, pour essayer de comprendre comment justement les catégories de science, de croyance, de rationnel, d'irrationnel se négocient. Dans le cours des affaires qui se déroulent. L'idée, c'est de ne pas considérer que la société est figée, puisqu'on voit bien que ça bouge tout le temps, et de s'interroger sur la façon dont tout un tas de catégories qu'on utilise tout le temps, notamment en sociologie, donc science et croyance, cette espèce de couple rationnel-irrationnel, comment les frontières sont constamment négociées. Et cet objet-là, les histoires d'extraterrestres et d'OVNI notamment, est un cas intéressant parce que au moment où j'ai travaillé, les débats qui aujourd'hui se sont multipliés sur les lanceurs d'alerte, les associations citoyennes et tout ce qui en suit, étaient moins présente, ça occupait moins la scène, et j'ai l'impression que c'est un peu une scène primitive de ce genre de débat. Et Latour m'a accueilli, pas comme le Messie, mais il trouvait ça intéressant, même si personnellement il ne supporte pas ce genre de sujet. Et donc on a sympathisé, et il s'est dit, ben, on va essayer de voir ce que ça donne. Et donc j'ai travaillé quelques années au centre. Dans le cadre du Centre de sociologie de l'innovation de l'École des Mines, a essayé de développer une approche, comme je te rappelle, symétrique entre les sciences et les croyances, c'est-à-dire les aborder avec les mêmes outils, sans supposer à l'avance des caractéristiques particulières à un objet ou à l'autre, à certains acteurs par rapport aux autres et tout. C'est-à-dire vraiment, on met les choses à plat et on essaie de voir comment ça se passe. Donc, ce que je vais peut-être commencer par faire, c'est vous raconter ce que sont ces histoires, qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que tout le monde a évidemment entendu parler d'OVNI et de soucoupes volantes, ça, il n'y a pas de problème, mais vous ne connaissez peut-être pas l'histoire précisément,
et la manière dont ça s'est construit au fil des décennies. Et on abordera également un autre débat, si on a un peu le temps, qui est parallèle à celui sur les ovnis, qui est le débat sur la vie extraterrestre, et notamment sur l'existence, sur ce qu'on appelle le projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, qui est un programme notamment de la NASA, de chercheurs, de scientifiques, d'astrobiologistes, de radioastronomes et autres, qui supposent qu'il y a d'autres civilisations ailleurs dans l'univers et qui essayent de détecter leur présence. Donc on est sur des sujets proches, mais avec des différences assez intéressantes. Alors l'histoire des ovnis débute en 1947, un peu après la guerre, et ça commence comme un fait divers de presse, en fait. Un jeune homme d'affaires américain qui s'appelle Kenneth Arnold, qui vit à Boise, dans l'Idaho, dans le nord-ouest des États-Unis, et qui utilise un petit avion privé pour son entreprise. Il installe du matériel de lutte contre les incendies automatiques dans des coins reculés du nord-ouest, l'État de Washington, Oregon, Idaho, cette région-là, au-dessous de Seattle. Donc utilise son avion et fin juin, le 24 juin 1947, en rentrant d'une de ses missions, au-dessus du mont Rainier, qui est un volcan pas tout à fait éteint de la chaîne des Cascades, dans l'État de Washington, il observe neuf engins bizarres qui volent à, il estime, deux fois la vitesse du son. Alors à l'époque, on est en juin 1947, le mur du son sera franchi en octobre 1947 par Chuck Yeager. Et donc c'est un sujet de discussion, et surtout les objets que Arnold observe sont bizarres, ils sont arrondis à l'avant et triangulaires à l'arrière. Ils n'ont absolument pas la forme des objets qui volent, que ce soit civil ou militaire. Donc il se demande ce qu'il a vu. Quand il se pose une heure plus tard, ils vont discuter avec des amis pilotes. La première réaction c'est « est-ce que tu es sûr que tu n'as pas eu la berlue ?» Et ensuite ils discutent et ils font tout un tas de suppositions sur, à l'époque, les milieux de pilotes notamment, et même la presse, étaient remplis de spéculations sur l'existence d'armes secrètes. Il y avait évidemment toutes les discussions sur les armes secrètes allemandes pendant la guerre, et l'idée que certaines armes allemandes aient pu être récupérées par les Russes ou par les Américains et perfectionnées et utilisées était dans l'air du temps. Donc ça, c'est dans le petit microcosme que fréquentait Arnold, c'était des idées qui étaient souvent discutées. Et donc Arnold redécolle, et là il s'était posé à Yakima, qui est une petite ville de l'État de Washington. Il redécolle en direction d'une autre ville de l'Oregon, Pendleton. Et là, à nouveau, il a une discussion avec les pilotes qu'il connaît bien, puisque c'est un endroit qu'il fréquente beaucoup, à propos de ses engins. Et certains lui suggèrent que c'est peut-être des missiles d'une base militaire voisine, la base de Moses Lake. Bon, il en reste là-dessus. Le lendemain, il est à Pendleton. Pendleton, j'y suis allé en 1988, c'était un petit bled, le genre de petite ville américaine qu'on voit dans des épisodes comme Twilight Zone ou des choses comme ça. Donc, le lendemain, il rencontre quelqu'un dans le lobby de l'hôtel où il a passé la nuit, qui lui dit avoir vu lui aussi des trucs bizarres dans le sud de l'État. Donc là, il se dit quand même, c'est un peu curieux. Il essaie d'aller voir le FBI, il y a un bureau local au sein de la poste de Pendleton, mais le bureau est fermé. Et il se dit, maintenant je fais quoi ? Et à Pendleton, j'ai fait l'expérience. Une fois qu'on a discuté avec les pilotes de l'aérodrome voisin, une fois qu'on a essayé de trouver le FBI, il n'y a plus que les journalistes. Il y a un journal local, l'Historigonian, et donc un peu avant midi, il débarque à la rédaction de l'Historigonian, et là il rencontre deux journalistes, dont un que j'ai retrouvé, Bill Beckett, et il leur raconte ce qu'il a vu. Alors les journalistes l'écoutent calmement, ils se disent, bon, a priori, il n'a pas l'air complètement starbé.
Et il lui propose de faire un petit article dans l'édition du jour qui va sortir quelques heures plus tard. Donc, Bill Becker rédige cet article, qui met en bas de une. S'il avait juste fait ça, ça n'aurait pas eu beaucoup de conséquences. Mais il va faire autre chose, c'est que le journal, comme beaucoup de journaux américains, de quotidiens américains, fait partie d'une coopérative de presse qui s'appelle Associated Press. Et l'idée, c'est que tous les journaux locaux qui ont des histoires locales les envoient au bureau régional Associated Press, qui après voit si c'est intéressant ou pas et s'il faut les répercuter ou pas. Et Bill Beckett donc rédige une dépêche à partir de l'article qu'il a fait et il l'envoie à Portland, le bureau régional. Et tout le monde se sépare, ils vont déjeuner chacun de leur côté. Et Bill Beckett, donc, que j'ai rencontré en 1988, chez lui, il vivait dans l'État de Washington, me raconte que quand il est revenu, il a trouvé la secrétaire du journal qui avait des yeux ronds comme des soucoupes et qui lui disait « Où est-ce que vous êtes passé ?» Parce que tout le monde veut en savoir plus sur ces objets qu'Kenneth Arnold a vus. Et en fait, Portland avait reçu la dépêche et avait trouvé que c'était intéressant et l'avait redispatché au niveau national. Donc ça avait arrosé tout le réseau d'Associated Press et des tas de journaux à Chicago, New York ou ailleurs avaient envoyé des questions en disant « C'est quoi ces trucs ?» Donc, à partir du soir, les radios commencent à se remplir de nouvelles sur les soucoupes volantes. Enfin, soucoupes volantes, ça va apparaître un petit peu après. Mais sur les objets étranges qu'Arnold a vus. Et le lendemain, quasiment tous les journaux, sauf le New York Times, qui a attendu le 4 juillet pour se réveiller, mais quasiment tous les autres journaux quotidiens américains font souvent leur une sur ces objets étranges qui, peu à peu, vont prendre le nom de disque volant et soucoupe volante, flying saucer et flying disc. Et là, c'est une espèce de déluge, c'est-à-dire que Kenneth Arnold, à partir de là, ne contrôle plus rien du tout. Tout le monde va se mettre à parler dans tous les sens, des experts vont être consultés, on va discuter. Alors, en général, quand on parle de ce sujet, évidemment, on est une interprétation qui a souvent été utilisée, c'est de dire, comme Kenneth Arnold, on est dans le contexte d'après-guerre, c'est la guerre froide. 1947, c'est une année clé pour la guerre froide. Et c'est ce qui va conditionner tout ce débat. Au niveau de Kenneth Arnold, c'est pas faux. Lui se considère comme un citoyen américain et son devoir, c'était de rapporter ce qu'il avait vu parce que c'était peut-être des engins secrets américains, mais c'était peut-être aussi les Russes qui venaient se balader dans le ciel américain. Auquel cas, ça posait problème. Mais en fait, la controverse qui démarre dans la presse à partir de la dépêche de Bill Beckett, c'est pas cette controverse-là. C'est une controverse sur... qu'est-ce que ce type a vu? Est-ce qu'il a vraiment vu ce qu'il a vu? Surtout que très rapidement, d'autres témoins se manifestent dans les heures qui suivent pour dire « moi aussi j'ai vu tel jour avant ou dans les jours qui vont suivre des choses bizarres dans le ciel ». Et donc il va y avoir comme ça une espèce de certain nombre de témoins qui vont se manifester et qui vont générer la première vague d'observation de soucoupes volantes. Et le débat va vraiment se focaliser sur, non pas sur est-ce que les Russes nous survolent, mais qu'est-ce qui se passe chez une partie des Américains pour qu'ils croient voir des trucs imaginaires dans le ciel. Et là, on va spéculer, les scientifiques vont intervenir, et la plupart du temps, pour proposer des explications à base de psychologie, d'hallucination, et de lecture de science-fiction, ou justement d'influence du climat de guerre froide. Si l'histoire en était restée là, on en parlerait sans doute plus. Parce qu'avant, en 1946, par exemple, au-dessus de l'Europe, il y avait eu des observations de ce qu'on appelait à l'époque des ghost rockets, des fusées fantômes, au-dessus de la Scandinavie, pendant plusieurs mois, en 1946, tout le printemps et l'été 1946, on avait rapporté l'observation de fusées fantômes. Et alors là, on avait très sérieusement suspecté les Russes d'avoir récupéré les V2 des Allemands, et de les tester au-dessus de la Baltique. Même Le Monde, à l'époque, si vous lisez Le Monde de l'année 1946, il y a des tas de petits entrefilets sur les observations de fusées fantômes en Scandinavie, et c'est rapporté très sérieusement. On ne plaisante pas. Avant ça, il y avait encore régulièrement dans la presse, dans les années qui précédaient, dès la fin du siècle du 19e siècle, la presse rapportait souvent des observations d'objets bizarres. Alors, à l'époque, on ne parlait pas de soucoupes volantes, on parlait, en 1897 notamment, tout le Midwest avait été submergé par une vague de ce qu'on appelait des airships, des vaisseaux aériens bizarres.
un peu dans le genre de Robur le Conquérant, pour ceux qui ont lu Jules Verne. On supposait que des inventeurs géniaux, à l'époque où on spéculait sur la capacité à se déplacer avec des plus lourds que l'air, des inventeurs géniaux avaient fabriqué soit des dirigeables ultra performants, soit des machines à la Léonard de Vinci, et qui étaient capables de se déplacer. Donc, comme ça régulièrement, mais une fois que la vague d'intérêt et d'observation était passée, on oubliait et on passait à autre chose. Donc on renommait les choses à chaque fois. Dans les années 30, il y avait des vagues d'aéroplanes fantômes. Au moment de la guerre de 14-18, souvent on signalait des Zeppelins ou des aéroplanes allemands, et parfois c'était des confusions avec la planète Vénus ou avec des choses de genre. Bon. Donc, ce qui est intéressant avec l'histoire des soucoupes volantes en 1947, c'est que après l'été 47, le phénomène ne va pas disparaître. Et pour une raison, notamment, c'est que les militaires américains, l'armée de l'air, l'US Air Force, qui va devenir l'US Air Force en septembre 1947, qui s'appelle encore l'Army Air Force, va décider que, même si ça semble être pas sérieux, ces observations, c'est leur devoir de dire ce qui se passe dans le ciel américain et de le surveiller. Donc, quelques jours après la publicité qui va être faite à l'observation de Kenneth Arnold et aux autres qui vont suivre, la base de Wright Field, qui se trouve près de Dayton dans l'Ohio, va créer un petit groupe d'analyse et va demander aux témoins d'envoyer des rapports sur ce qu'ils ont vu. Et ils vont envoyer des enquêteurs auprès de ces témoins. Donc depuis tout un tas de bases de l'armée de l'air, des enquêteurs vont être envoyés depuis à Californie, partout, auprès des témoins. Et Kenneth Arnold, le 10 juillet, va recevoir deux enquêteurs d'une base californienne qui vont venir l'interroger. Alors souvent, les enquêteurs partaient avec des a priori plutôt sceptiques et amusés. Et en rencontrant les témoins, notamment par rapport à Arnold, ils reviennent en expliquant que, curieusement, les témoins ont l'air sérieux. Ils ont vraiment vu quelque chose, apparemment. Et dans certains cas, on ne s'est pas expliqué. Et Arnold, donc ça, c'est une page du... Alors par contre, il faut enlever le Alien UFO Art. Ça, j'ai trouvé ça sur Internet. J'ai une copie, mais ça, c'est un truc qui a été rajouté récemment. Mais c'est la dernière page du rapport d'Arnold avec le dessin, vous voyez. C'est pas une soucoupe, hein, c'est un truc arrondi et triangulaire à l'arrière et qui est très plat quand il le voit par la tranche. Et donc l'enquête va commencer. Comme ça, ils vont accumuler des dizaines de rapports et d'enquêtes auprès des témoins. Et ce qui se passe aussi, c'est que parmi les témoins, très rapidement, il n'y a pas juste des quidam ou des pilotes amateurs comme Arnold, mais il y a également des pilotes de grandes compagnies aériennes comme United Airlines ou quelques autres, et aussi des pilotes militaires. Et évidemment, si on peut envoyer Arnold chez le psy, les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, c'est plus difficile. Donc les teufs d'héros, ça veut dire quelque chose dans l'armée de l'air américaine, et ce qui fait que les enquêteurs de l'armée vont commencer à s'interroger sur ce qui se passe. Et le groupe donc, qui avait commencé à analyser ça va se prolonger. Et il va même prendre début 48 le nom de projet SIGN, qui est secret, il sera secret pendant des années, mais qui sera connu du public sous le nom de projet Soucoupe, le projet Saucer. Et ils vont analyser tous ces rapports en se demandant ce que les gens ont vu. Alors ça, c'est une illustration sortie de Life de début juillet 47 qui montre un peu l'état d'esprit général par rapport aux soucoupes volantes. Vous voyez, ce n'est pas un sujet d'inquiétude si grand que ça. La presse, en général, plaisante sur ces sujets. Mais quand on se déplace, on en reparlera un petit peu après du contexte. Donc, les militaires vont créer cette commission d'études. Et eux, ils vont traiter le sujet comme ils ont accumulé ces observations. Et qu'ils ont des observations de pilotes, ils commencent à se demander ce qui se passe, et ils vont être parmi les premiers acteurs qui vont en fait prendre le sujet au sérieux. Simplement, ils vont notamment rédiger dès la fin de l'été 1948, donc un an après l'observation d'Arnold, un rapport secret dans lequel ils expliquent que, selon les experts qu'ils ont consultés, il est possible que ces objets représentent une intrusion de la part d'extraterrestres. Alors évidemment, ils vont se demander d'où ils viennent, ces extraterrestres.
Et le problème pour eux, c'est que l'état-major à Washington va trouver le rapport un peu trop loufoque et va ordonner sa destruction. Donc un deuxième rapport sera rédigé qui, comment dire, se focalisera sur une hypothèse plus conservatrice, mais néanmoins inquiétante pour l'armée de l'air américaine, c'est que c'est peut-être des engins secrets soviétiques, effectivement, qui survolent le territoire américain. Alors maintenant qu'on a beaucoup de recul et qu'on a accès au dossier de l'histoire militaire américaine, on peut comprendre un peu mieux pourquoi ils ont spéculé là-dessus. Parce qu'en fait, l'armée de l'air américaine, elle-même à la même époque et plus tard, on le sait avec les vols de U-2, faisait régulièrement des incursions dans le ciel de l'URSS, à partir notamment en survolant les pôles et le détroit de Bering. Donc, comme les objets qu'Arnold avait vus semblaient venir du nord-ouest et notamment du détroit de Bering, il s'était dit peut-être que les Russes font la même chose que nous. Mais ça, à l'époque, c'est pas connu. Évidemment, ça fait partie du domaine secret de l'armée. Ce qui fait qu'on a une espèce de débat qui est très cloisonné, qui, au niveau du grand public, est un débat où les gens plaisantent beaucoup sur les soucoupes volantes, ils ne prennent pas ça très au sérieux. Il y a des petits groupes qui commencent à se constituer de gens qui disent il y a peut-être quelque chose de sérieux et tout. Mais en majorité, dans la presse, c'est en gros le traitement de life. On en plaisante, on s'amuse joyeusement. Donc, quand on se déplace à la base de Wright-Field, on se rend compte qu'il y a un noyau d'experts qui prennent le sujet au sérieux, mais à l'extérieur, ça ne transpire pas. Et quand ils font des déclarations en public, ils ont tendance à modérer leurs déclarations, ce qui fait qu'ils expliquent que la plupart des observations ont pu être expliquées, donc il n'y a pas de quoi s'alarmer. Et il n'y a rien de très grave là-dessous. Et pendant 20 ans, l'armée de l'air va entretenir une commission d'enquête sur ces sujets. C'est en partie pour ça qu'on parle toujours d'OVNI. C'est parce que le sujet s'est installé dans la longue durée, parce qu'une structure au sein de l'armée de l'air a enquêté de façon continue jusqu'à la fin des années 60. Et ça va avoir une autre conséquence, c'est que à partir du début des années 50, la fin des années 40, comme l'armée de l'air intervient sur le sujet tout en disant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est-à-dire entretient une espèce un peu de double langage, certains enquêteurs journalistes qui ont leurs entrées au Pentagone vont commencer à percevoir qu'en discutant avec certains de leurs informateurs, il y a justement différentes opinions qui s'expriment. C'est-à-dire qu'en public, on dit il n'y a pas de quoi s'affoler, il n'y a rien de très sérieux, mais certains leur disent oui, mais il y a des groupes d'experts qui, eux, prennent le truc plus au sérieux. Donc ça va commencer à générer des rumeurs dans la presse et dans certains livres sur l'idée que l'armée pourrait ne pas dire tout ce qu'elle sait. Et ce qui fait que, dès la fin des années 40, on commence à voir des groupes de citoyens qui s'organisent en groupes d'amateurs de ce qu'on va appeler plus tard des ufologues. De UFO, qui est le terme qui va supplanter en partie soucoupe volante. UFO, c'est Unidentified Flying Object, c'est l'équivalent en français de OVNI. Et ces ufologues vont se regrouper en différents groupes, structures, aux États-Unis, mais également en Angleterre. Des premiers groupes vont être créés au tout début des années 50 en France, par exemple. Et dans tout un tas d'autres pays occidentaux, pour enquêter sur ces sujets, puisqu'en gros les scientifiques s'en moquent, puisque l'opinion considère que ce n'est pas sérieux, mais que l'armée fait quelque chose en ne disant pas tout ce qu'elle fait. Certains se disent, ben, on va nous-mêmes enquêter, et on va voir ces structures d'amateurs qui vont se multiplier et produire des bulletins, parfois écrire des livres, sur ces questions-là. Donc ça, c'est une des deuxièmes raisons, la deuxième raison pour laquelle le phénomène s'installe et dure.
C'est-à-dire qu'il y a comme ça tout un tas d'acteurs qui continuent, au-delà du fait divers journalistique, à s'intéresser au sujet. Alors, parmi, je vous l'ai dit, les militaires américains, très tôt, sont parmi les premiers à spéculer sur la possibilité que ce soit des extraterrestres, ce qui peut nous surprendre aujourd'hui. Ça date cette histoire date de 1948. Parmi évidemment les enquêteurs amateurs qui vont créer des groupes à partir des début des années 50, l'hypothèse qui domine, c'est l'idée qu'on est visité par des extraterrestres. Donc on a comme ça tout un espèce de front de spéculation qui va se créer à ce moment-là sur l'idée qu'il y a des extraterrestres ailleurs et qui sont capables de venir jusqu'à nous. Alors, ça, ce n'est pas un débat nouveau. Là, c'est une reproduction de la gravure d'ouverture de Fontenelle, l'entretien sur la pluralité des mondes habités, qui est un des ouvrages fondateurs des Lumières, qui spécule, qui est un des premiers ouvrages à avoir spéculé sur l'existence d'autres civilisations dans le système solaire notamment et ailleurs. Et à cette époque-là, avant et après, on va avoir des philosophes dans un premier temps, donc comme Fontenelle, mais également des scientifiques à partir du milieu du 19e siècle, qui vont s'intéresser à l'idée qu'il y a d'autres formes de vie dans l'univers. Et ça va créer tout un contexte de spéculation qui va être récupéré dans l'histoire des soucoupes volantes, à partir de 1950 en gros. Donc ça, c'est des articles qui pouvaient paraître ça c'est Colliers au milieu des années 50. Ça, c'est la revue Atom, qui est une revue scientifique, donc pareil des années 50. Alors là, je l'ai mise parce que ce sont des martiens. Et je ne sais pas si certains ont lu La guerre des mondes de Wells. Bon, ce sont les martiens représentés par H.G. Wells. Donc, à partir de la fin du 19e siècle, en plus de philosophes ou de savants qui spéculent sur l'idée qu'il pourrait y avoir de la vie sur d'autres planètes, et notamment sur Mars. Mars a été énormément objet de débats sur l'existence d'une civilisation martienne à la fin du 19e siècle. On pensait avoir repéré des canaux à la surface de Mars qui auraient été construits par la civilisation martienne pour irriguer l'équateur à partir de l'eau recueillie au pôle. Et H.G. Wells, en 1897, publie La guerre des mondes, donc The War of the World, qui est le premier roman de ce qu'on appelle maintenant science-fiction, qui imagine que non seulement il y a de la vie ailleurs, notamment sur Mars, mais qu'ils sont capables de venir jusqu'à nous, et en l'occurrence de nous envahir, puisque La guerre des mondes décrit la façon dont les martiens ont tenté de nous éradiquer purement et simplement. Et Wells est également intéressant parce qu'il va être à l'origine, notamment à cause de cette représentation des martiens, de toute une littérature de science-fiction qui va fleurir à partir des années 20, aux États-Unis notamment, et qui va représenter les extraterrestres sous toutes les formes et sous toutes les couleurs. Là, c'est The Man from Mars, c'est en 1938 dans un magazine, un pulp, ce qu'on appelle les pulp de science-fiction, les magazines de science-fiction populaires, qui s'appelait Fantastic Adventure.
Et à partir de Wells, également de Jules Verne, il y a deux filières, tant pour la science-fiction, il y a Wells et Jules Verne. Comme ça, des dizaines de magazines vont être publiés aux États-Unis qui vont montrer voilà, des tas de représentations d'extraterrestres et qui vont construire toute une culture populaire, entre guillemets, qui va spéculer sur l'existence de ces extraterrestres et les faire intervenir à des niveaux degrés divers dans les affaires terriennes. Alors ça, c'est on ne peut pas ignorer ce contexte. Mais on peut comprendre aussi que quand Kenneth Arnold, quand le débat dans la presse naît en 1947, les gens ont la tête pleine de ce genre de représentation. Évidemment, ça ne joue pas en faveur des soucoupes volantes, qui sont plutôt considérées comme un sujet amusant, pas très sérieux. Les pulps n'étaient pas la forme de littérature dominante dans la culture américaine des années 20, 30 et 40. Aujourd'hui, ça a changé, puisqu'il y a des gens qui les collectionnent, qui les recherchent, mais à l'époque, c'était publié sur un papier de récupération. Alors, ça, c'est une illustration assez fantaisiste de l'observation de Kenneth Arnold, parue dans un magazine qui a été créé en 1948, qui s'intéressait à tous les phénomènes bizarres, et notamment donc, aux soucoupes volantes. L'évocation de la rencontre du troisième type de Valensole laisse perplexe. Le témoin, Maurice Mass, raconte qu'au petit matin du 1er juillet 1965, alors qu'il travaillait dans un champ de lavande, il entendit un puissant sifflement. Cherchant à en découvrir l'origine, en contournant un mur de pierre, il entrevoit un engin en forme de ballon de rugby, de la grosseur d'une voiture et de couleur neutre mat. Il distingue aussi deux petits hommes accroupis qui se relèvent à son approche avant que l'un d'eux le paralyse en lui braquant une sorte de tube. L'enquête de gendarmerie qui suivit releva des traces laissées dans le sol et confirma la véracité du témoignage. Les rencontres du troisième type sont des faits rarissimes et lorsqu'elles sont étayées par des indices matériels, elles laissent particulièrement dubitatif. Le rapport Cometa, confidentiel à l'origine, fut repris par un hebdomadaire national qui en tira un numéro spécial. Les informations données déclenchèrent une prise de conscience collective sur le phénomène. D'autres témoignages contribuèrent à l'alimenter. Les personnels navigants sont les témoins les mieux placés et les plus crédibles pour faire des observations détaillées et précises. Le colonel Jack Crean, aujourd'hui à la retraite, débuta sa carrière comme pilote de chasse. Il fut par la suite chef moniteur, officier de sécurité des vols, instructeur combat aérien, leader de la patrouille de France, avant de quitter l'armée pour occuper la fonction de commandant de bord à Air France. En septembre 1975, durant une mission d'entraînement sur Mirage 3, il fut témoin avec son coéquipier d'une étrange rencontre. J'ai vu passer devant moi, modestimé, 7 ou 8 km, ce qui ressemblait d'abord à un avion de ligne, un fuselage d'avion de ligne. Bien déclaré. Et là, j'appelle le contrôle en disant, dis donc, ça va pas, là, on va se faire engueuler. Hein, s'il y a un avion civil qui passe au milieu de nos exercices, c'est pas dans les règles. Et le contrôleur me dit, j'ai pas de contact radar là-dessus. Je dis, moi, bah, écoute, je vois quelque chose de gros et qui passe devant nous. Et mon équipier qui était en train de rassembler, je lui demande de confirmer. Il me dit, oui, je vois bien un avion là en face de nous. Et le contrôleur confirme qu'il n'a pas de contact radar. Cette chose-là passe devant nous. Et comme le contrôleur me confirme qu'il ne voyait pas, on rentre dans une mission de police du ciel, en fait, comme on a à l'époque. C'était la guerre froide, donc on met la post-combustion. Et on essaye de rassembler sur cet objet volant. Et alors, on s'est approché assez près. La nuit, c'est très difficile. Hein, quand on n'a pas une référence, c'est très difficile d'avoir une distance et une grosseur. Bon, ça me paraissait. C'était une forme, en fait, un peu comme un ballon de rugby. Et au moment où on approche assez près, hop, ça disparaît en une microseconde. J'ai une accélération qui nous laisse vraiment sécher. Je redemande au contrôleur radar si tu n'as toujours eu aucun contact. Il me dit non, rien. Bon, ben, on reprend donc notre entraînement. Deuxième présentation. Là, je suis chasseur. Et au moment où j'arrive à 7-8 km de la fin de mon rassemblement, paf,
ça réapparaît de nulle part. Comme on aurait pu dire un autre avion de chasse ou un autre avion, enfin plutôt un autre avion qui observait, bon, c'est la troisième dimension ce qu'on faisait. Je rappelle le contrôleur, il dit non, moi j'ai toujours pas de contact radar. Là, ma collègue rassemble, on met la post-combustion et on y va pour rassembler sur cet objet volant. On accélère même assez fort, on accélère donc, on avait Mach 1.6, il fait à peu près 1700 km/h. Et au moment où peut-être ces choses-là nous sentent menaçants, pareil, ça disparaît en une fraction de seconde, une accélération est plus touffante. Je demande au contrôleur s'il n'a toujours pas de contact radar, parce que ça fait quand même deux fois que ça se présente. Il dit non, on refait un autre exercice, on se représente une troisième fois. La chose réapparaît de nulle part, en état d'observation, bon, non menaçante, mais qui est en train de regarder gentiment, parce qu'apparemment c'est intrigué par ce qu'elle est en train de faire. On essaye de rassembler de nouveau, de se rapprocher le plus vite possible. Moi, je pense, je me rappelle ce qui m'a intrigué, c'est que je voyais à travers son fuselage, j'avais des hublots assez grands, une lumière blanche, alors extraordinaire. Je dirais pas céleste, mais vraiment une lumière blanche, et je voyais à l'intérieur. C'était une immense cavité blanche, et je voyais vraiment une transparence, ça m'a frappé. Mais ça disparaît aussi en un clin d'œil. Donc là, on manque de pétrole, on rassemble, on perce, comme on dit, on va se poser à Creil. Contrôleur, bon, le débriefing, il dit, moi, j'ai rien vu, bon. Et avec le collègue, on a dit, bon, on dit rien non plus, puisque de toute façon, si on fait un rapport un peu circonstancié, on va choisir le psy, choisir le médecin, ou alors on est au secret, donc ça présente pas beaucoup d'intérêt. On était assez habitués à reconnaître ce qui se baladait dans le ciel, et ça, jamais rien vu d'autre de toute ma carrière aéronautique. Et j'ai jamais vu non plus des performances pareilles. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il y a des... On a produit des objets volants qui sont capables d'être de telles accélérations, et même du genre de manœuvre, puisqu'il est parti un petit peu. Donc des accélérations qui sont gigantesques. Quoi. Alors donc, la question que moi je me suis posée un peu, je me pose encore, si ça n'est pas terrestre, donc c'est extraterrestre. Alors qui est derrière ça ?